Bonjour, c'est la voix du peuple invisible. Eh oui, il est l'heure de vous réveiller les amis, il est l'heure. Soyons unis comme ce ballot de paille, soyons tous unis, parce que l'heure se rapproche. Et l'heure, vous savez c'est quand? Eh bien c'est le 14 juillet, rendez-vous au 126 rue de l'Université à Paris, à 8h. On avancera jusqu'à l'Élysée. On sera rejoint par Itaz, les pompiers et beaucoup d'autres personnes vers les 11h. Soyons tous disponibles à ce moment-là, car il va falloir commencer maintenant. Il est franchement l'heure de se réveiller. Car, ça y est, les syndicats se sont réveillés, enfin c'est normal, ils sont obligés de lancer l'alerte. Moi, ça fait un petit moment que je lance l'alerte à ce sujet, mais bon. Là, ils la lancent. Comme je disais, il va falloir faire un blocage au mois de septembre. Eux, ils le font au mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'au mois de septembre, tout le monde va se rendre compte. Et eux, ils auront déjà prévenu à l'avance. Donc, on dira, ah, eux, ils savaient, ils ont tout fait pour nous. Nous, on attaque dès le mois de juillet parce qu'on sait les choses et ça ne sert à rien d'y attendre. Parce que vous allez tous vous ramasser la gueule. Un exemple, vous allez me dire, oui, pourquoi vous voulez absolument partir en révolution? Non, parce que le gouvernement nous enfume tous. Il faut en prendre conscience. Il est l'heure de se réveiller, les amis. Mais franchement, l'heure, j'ai pris quelques notes au cas où. Hein. Bon, par exemple, la loi du travail. La loi travail. Et oui, tous les syndicats, tout le monde, vous allez manifester au mois de septembre. C'est pas vous qui avez voté pour Macron? Pour la plupart, pas tous. Et là, vous allez tous vous en prendre plein la gueule. Par exemple, un exemple qui va concerner la loi travail... On appelle ça le salaire à zéro heure. Alors, c'est le travail flexible. Travail flexible. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus un CDI classique qu'on t'offre, on t'offre un CDI de projet, comme ça va s'appeler. Donc, c'est-à-dire que le CDI de projet, mis à part créer encore plus de travailleurs pauvres qu'à l'heure actuelle, ça veut dire qu'on va vous proposer ce contrat-là. Dans ce contrat-là, on peut vous garder pendant X temps, c'était 2, 3 ans, je ne sais plus. Même 5 ans, je crois. Hein, même 5 ans. Contrairement au CDD qui est simplement renouvelable en 3 fois. Après, bon, il y a toujours des exceptions, etc. Mais là, ça veut dire qu'on peut te prendre pour... ah tiens, bah, ce mois-ci, tu as travaillé 10 heures, que tu que je te dise. Je te paye 10 heures. À toi de compléter avec plein de jobs. Vous voyez, ça va faire un peu comme en Angleterre, en Allemagne, en Suède, enfin dans plein d'endroits. Allez leur demander s'ils vont bien, ces travailleurs-là. Je peux vous dire qu'ils galèrent. Ils galèrent. C'est sûr, comme ça, on casse d'une certaine manière les quotas du chômage, parce que là, ils sont obligés de faire quelque chose. Ils n'arrêtent pas de vous dire, oui, ça va aller mieux, regardez, au moment des présidentielles, oui, c'est de regarder, ça commence à aller mieux. Vous voyez, ça a mis du temps à se mettre en place, les travaux de M. Hollande, etc. Non, 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 on sait très bien qu'ils ont été boycottés, ces chiffres. Et maintenant, là, tiens, ah bah non, ça a encore augmenté. Comment voulez-vous que ça n'augmente pas avec de la délocalisation d'entreprises ou de gros groupes, ou etc. Avec tout ce qui est fait, comme tout le business de l'étranger en priorité. La bouffe, tout ça. Donc ça fait que créer ça. Donc là, c'est une loi qui va encore plus te pourrir. Ça veut dire que du jour au lendemain, je peux t'arrêter. Ou je te fais plus travailler. Tout le monde a un contrat, mais je te paye pas. Hein? Bon, on s'en fout. Voilà, donc il y a ça. Il y a tellement de choses. Il faut se battre aussi pour la baisse des taxes. Et des nouvelles taxes qui vont arriver. Au mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Des nouvelles hausses de TVA. Vous savez, vous allez me dire, oui, mais c'est que quelques centimes. Répercute-le sur une grosse quantité de nourriture, sur un mois entier ou sur un an entier. Tu vois, l'argent que tu as perdu, déjà que tu en gagnes de moins en moins. Après, quand j'entends les économistes sur BFM dire, oui, ça va mieux, on a les statistiques, il y a beaucoup plus de crédits à la consommation qu'avant. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est ça que tu trouves que ça va mieux? C'est-à-dire que maintenant, les gens, pour s'acheter des fringues ou quoi, ils vont faire des crédits ou ils vont prendre des cartes dans des magasins pour pouvoir s'acheter des fringues ou s'acheter de la nourriture, etc. C'est de pire en pire, oui. Sauf qu'il y en a qui arrivent à jongler comme ça.
D'autres, ils sont tellement dans la merde, ils vont me dire non, ça, ça sert à rien, je suis trop dans la merde, j'ai pas le temps. Eh bien, si, si, justement, il faut que tu te bouges là. Il faut se bouger le 14 juillet, mes amis. Il faut se bouger le 14 juillet, il faut tous venir. Parce qu'il y a énormément. Les vaccins, renseignez-vous sur les produits qu'il y a dans les vaccins qu'on donne. Il y a de plus en plus de sclérose en plaques. Il y a de plus en plus d'allergies, de nanani. Enfin, il y a tellement de choses. Le TAFTA, le CETA, si vous préférez, etc. Le business de ça, il faut faire très attention, il faut se battre à tous les agriculteurs, tout le monde. Mais tout le monde, là, cette fois-ci, tout le monde, il faut tous se bouger. Vous voyez ? On n'a plus le temps. Il faut déjà commencer là, maintenant. Il faut soutenir ITAZ et tous les gens qui le soutiennent. Et nous tous, il faut qu'on soutienne, nous tous. Nous sommes le peuple. Nous devons tous nous soutenir, c'est pour notre avenir. Et là, il n'y a plus à attendre. Il n'y a plus à diverger. Il n'y a pas à négocier ou quoi que ce soit. Ça veut dire quoi ? 49.3, sinon on va te mettre dans la gueule. Ça sert à quoi? Tu veux pas d'un truc, on te l'impose d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, maintenant ça va être de pire en pire. Et il y a plein d'autres choses qui doivent arriver après à partir de septembre. Mais bon, il faut baisser tout ça, les charges, les taxes, etc. Il y a beaucoup de choses à remettre en place. Donc oui, voilà, c'est pour ça qu'on se bat. Et pour plein d'autres choses aussi d'ailleurs qu'on va se battre. Et qu'on va bloquer ce pays. Ne me dites pas que vous allez tous très bien à la fin du mois. Tous ceux qui vont mal à la fin du mois, déjà, vous devez être à cet endroit-là. N'attendez pas le septembre. Et au moins, ça fera une grande alerte. Mais il va falloir tous se réveiller, tous s'unir. Et au mois de septembre aussi, s'il faut revenir au mois de septembre, on reviendra. Et encore plus. Parce que là, il y en a plein, le retour de vacances, ils vont vous faire mal à la gueule. Et ça, ça va vous réveiller. Et ça, vous aurez la haine. Et vous aurez envie de vous bouger. Parce que ne me dites pas qu'il n'y en a aucun de vous qui n'a jamais subi une injustice. Ou quand on vous vole, vous ne vous laissez pas faire. L'État, le système vous vole. Et vous vous laissez faire. Allez, arrêtez un peu, il faut vous réveiller. Alors tous ensemble, le 14 juillet, au 126 rue de l'Université, à 8h à Paris. À très bientôt.